Donc moi, j'ai décidé de traiter le... d'illustrer le phénomène de l'endormissement de manière libre et ludique par une succession de machines sonores. Donc ça s'appelle dormance mécanique. Et c'est plusieurs étapes, c'est pas scientifique pantoute, c'est juste pour... c'est très ludique, là. Donc, les étapes de l'endormissement. La première section, tout au bout, avec le séquenceur que vous avez vu tout à l'heure, et les petits... c'est fait pour le soir, hein? Donc, le soir, chacun des petits sifflets qui sont plantés dans les buissons puis dans le gazon, qui ont une petite LED verte qui s'allume, et ça, c'est des machines à grenouilles. Ça imite le... le sifflement des grenouilles. Bon. Toutes les grenouilles sont branchées sur un séquenceur qui distribue le courant, donc les grenouilles se répondent. Font des chants comme ça, piou, piou, piou. Cette section-là s'appelle le crépuscule. Quand ça descend et les grenouilles commencent à chanter. Ensuite, on arrive dans la section ici. C'est des tourne-disques à verre. Donc, c'est des verres avec des abreuvoirs à hamster puis une petite éponge. Ça fait comme quand on fait sciller un verre avec nos doigts. Donc, c'est la section acouphène avant de s'endormir. Quand le silence arrive et qu'on a été sursollicité puis que ça fait... Plus loin, là-bas, on a des machines à ronfler. C'est des machines qui imitent quelqu'un qui ronfle. Toutes ces machines-là sont sur une séquence à la console d'éclairage, donc ça arrête, ça recommence, il y a des vagues. Et plus loin, avec André Bilodeau et Bruno, qui m'a aidé aussi aux machines, avec Philippe Lessard-Drolet, on fait de la musique. On fait deux pièces de folklore roumain en boucle pendant 2 heures. C'est la section plus onirique, si tu veux, où... En fait, on joue avec un radio. Il y a un vieux radio qui joue une musique en boucle et nous, on fait de la musique. Donc, c'est à la fois le musicien ou l'artiste qui travaille de nuit sans vouloir réveiller ses voisins, qui ronfle tout à côté avec les machines à ronfler. C'est à la fois la toune en boucle quand tu fais une conception puis que tu peux pas te sortir telle musique de ta tête. Ou bon, ça suggère plein de choses, en fait. Là, c'est libre au spectateur de se faire son histoire.